Ça, c'est toi, ça, c'est ton autre. Peu importe si tu es un homme ou une femme, tu adaptes par rapport à ce que tu vis. On va aller voir les énergies qui s'annoncent pour toi et ton autre cette semaine, s'il y a des choses qui vont bouger ou si tu vas rester encore en statu quo. Allez, c'est parti. Allez, ton autre. Ton autre, il a trouvé une clé. Il a trouvé une clé certainement pour avancer ou peut-être même des réponses à ses propres questions. Toi, tu es en totale élévation. On sent que tu es en train de lâcher prise. Tu vois, tu prends ton envol. On voit cette ascension spirituelle par rapport à ce qui se passe par rapport à ton autre, par rapport à cette relation. La clé de ton autre, c'est « je suis en totale renaissance ». Ce n'est pas la naissance, je renais de mes cendres tel un phénix. Mais aussi, c'est « j'ai besoin de m'envoler, j'ai besoin de repartir sur des bases bien plus propres ». J'ai le mot « déconstruire ». Je me suis déconstruit, je suis en train de me reconstruire. Et toi, ben en fait, c'est un peu comme si, toi, on voit la lumière, on voit l'ascension. C'est comme si le travail de ton autre avait en fait un reflet, c'est comme si ça faisait un ricochet sur toi. On sent que tu es en train de lâcher des choses, tu es en train de... Il y a beaucoup de blessures, il y a eu des blessures, il y a eu tout ce genre de choses-là qui t'ont mis vraiment en travail. Et on sent que, ça y est, je suis en train de lâcher, je suis en train de lâcher prise, je me sens mieux avec moi-même. Et clairement, tu vois, ton autre, de par cette renaissance, il est en pleine mutation, en pleine transformation. Il prend conscience de choses qu'il n'avait pas forcément pris conscience aujourd'hui. Toi, tu as eu des doutes, tu as eu peut-être des blocages, des choses qui se sont mises un petit peu sur ton chemin. Mais on te dit que, tu vois, il y a quand même cette luminosité. Tu es bien plus apaisé que tu as pu être par le passé. Lui a envie d'avancer avec sincérité. J'enlève le voile d'illusion et toi, tu te rends compte qu'il y a eu un vrai coup de cœur, un vrai coup d'amour pour cette personne. Vous êtes totalement en diapason, hein. Je le dis souvent, les flammes jumelles, âmes jumelles, adaptent par rapport à ce que tu vis. Mais surtout dans ce type de relation-là, plus tu travailles sur toi, plus l'autre travaille sur lui. Et plus vous avancez et plus en fait vous prenez conscience de ce lien, de ce travail qui est à faire, parce qu'il en reste toujours à faire, quoi qu'il en soit. Oh. Ton autre te dit, tu sais, j'ai pris conscience que toi et moi, on était autre qu'une relation lambda, qu'on avait vraiment quelque chose à faire ensemble. Tu vois, c'est vraiment l'unisson. On est totalement en harmonie, on se sent totalement en cohésion. On parle d'équité. On parle totalement d'équité. Toi, tu as eu un passé compliqué que tu es en train de résoudre, un instant présent que tu essayes d'être et un futur, ben, tu ne te poses plus vraiment cette question de savoir de quoi ton futur sera fait. Ton autre avait beaucoup de choses en tête. Il avait beaucoup de choses en tête. Et toi, tu as accepté de laisser le temps faire. Ben, c'est top, hein, parce qu'on sent qu'il y a vraiment une harmonie qui est en train de se créer entre vous deux. Hein. Il a compris que c'est un chemin initiatique. Il n'a peut-être pas forcément conscience, ou elle, hein, je parle de ton autre, que ce chemin était un chemin d'âme très intense, très fort. Peu importe si aujourd'hui, il sait ou il ne sait pas votre lien, ça a peu d'importance. Et toi, on te dit que ça y est, tu avances aussi avec sincérité. Lui s'y est mis, tu t'y es mis aussi. Vous vous suivez vraiment de très, 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 très près. Hein. Il a subi des épreuves, hein, tu en as subi aussi. Mais sache que, quoi qu'il en soit, vous êtes là, là, les énergies de cette semaine, vous êtes en fait en phase d'alignement. Vous vous aimez pour l'éternité. Tu vois, il prend vraiment conscience que vous vous aimez profondément et vous êtes attirés l'un à l'autre. Ça veut dire que vous êtes percutés tous les deux par des synchronicités, des heures, miroirs, des plumes, je le dis régulièrement, des messages dans le ciel, des musiques qui vont vous marquer, un mot que tu vas entendre. Quand tu entends son prénom, ça te transcende de toutes parts. De toute façon, vous êtes attirés l'un à l'autre. Vos chemins vont se rejoindre à un moment. Vous êtes en phase d'alignement, ça veut dire que là, il y a des reprises de communication qui vont se faire dans les jours, voire dans les semaines qui arrivent. Continue à bien travailler sur toi. Ton autre prend clairement conscience de votre relation, de ce que vous mettez en place. Et toi, ben, tu es aussi en plein travail et c'est top, hein, c'est vraiment top. Continuez à vous servir tous les deux de votre intuition. Vous êtes faits pour avancer ensemble.